Nous, on se retrouve à Marrakech quand même. La paire des sauces. La mauvaise amie. Et qu'on ouvre la vie. Ouais, nous on vit déjà de la pollution. L'Afrique, l'affaire de la pollution, on en parle plus. Ce que nous on veut, c'est le changement. On ne veut pas les pouvoirs en place. On ne veut pas que notre peuple soit manipulé, manigancé à tous les niveaux. Vous êtes là pour vos intérêts. Voilà, ils sont là pour leurs intérêts. Ce que nous devons faire, c'est réclamer nos droits. Pour qu'il y ait vraiment la paix dans nos pays, que ça soit accepté par eux-mêmes. Le peuple africain, vous voyez comment est-ce qu'on a complètement quadrillé ce cœur pour nous empêcher là où se trouve donc le dictateur de ce monde, les démons de ce monde, si je peux dire ainsi, les vampires, aussi bien du monde occidental que du monde africain. Ils sont là nombreux dans toute l'île. Quelque musical qu'on appelle l'île Séguin, où ils font leur COP 21. Ce COP 21 là qui est, comme vous le savez, comme nous l'avons dénoncé, dès sa sortie, encore un autre plan pour balkaniser de nouveau l'Afrique. Donc nous sommes là pour démontrer au peuple africain que c'est là que nous devons être. On nous a éparpillés ces derniers jours sur le sujet de la Libye. Or le sujet de la Libye était une façon de mobiliser le peuple africain vers d'autres orientations, alors que les points essentiels étaient ici. Ils préparaient déjà leur COP 21. Ils savaient qu'ils allaient se réunir ici tous ensemble, tous ces dictateurs, tous ces vampires, tous ces soi-disant donneurs d'ordre sont ici. Peuple africain, sachez orienter nos priorités, sachez montrer où il faut aller, car c'est ici que nous devions être massivement. Nombreux, nous avons été devant l'ambassade de la Libye. Oui, certes, c'était la Libye à ce moment-là qu'on a exposé. Mais est-ce que les Libyens sont-ils les premiers coupables? Est-ce que les Libyens sont-ils les premiers fautifs? Non, les premiers fautifs, c'est ceux qui sont là, derrière, dans cette boule magique qu'ils ont isolée du peuple, de la population tout entière, pour pouvoir se réunir ici en cachette. Voyez tout le dispositif qui a été mis en place, toute cette armerie qui a été mise en place pour empêcher. Tous les métros sont fermés. Nos frères et sœurs sont en train de manifester actuellement à Marcel Samba. Ici, aucun bruit ne parvient à arriver ici, tout simplement parce qu'on les a isolés pour qu'on ne sache pas pourquoi ils manifestent. Mais nous, nous avons pu percer, arriver jusque devant cette entrée où nous ne pouvons malheureusement pas franchir, parce que vous le savez, si nous avons franchi cette entrée, beaucoup de choses pourraient se passer à l'intérieur, et ils le savent. Donc, peuple africain, sachez orientons nos prérogatives. Arrêtons de nous faire emballer dans le moule panafricain qui a été préconçu pour nous empêcher de voir la vérité en face. C'est ici que nous devions être. Ingeta, la lutte continue et nous vaincrons, il en est ainsi.